Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Jumeau, et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer Expansion. Alors, j'étais paré pour me faire ma petite base tranquille, et il y a une espèce de courgette qui m'a attaqué, hein, littéralement, il s'appelle Scourge. Alors, je sais que ça ne veut pas dire courgette, mais moi, je l'appelle ça une courgette. Alors, j'ai allumé mes armes laser, parce que bon, là, pour le coup, je suis posé sur l'astéroïde, donc je fais que je lui déglingue un petit peu sa mère, un tout petit peu, hein, parce que bon, un laser, c'est pas extrêmement effectif, mais bon, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à me prendre une arme, puis je vais le flinguer de l'astéroïde, parce que mon bouclier est en mode forteresse, ce qui fait que... Bah, de l'astéroïde... Tout... Ah, qu'est-ce que... Je savais bien que les nanites étaient en train de construire seul au prix. Excusez-moi, j'ai voulu superposer mon longbow tout à l'heure, et je me disais, non, les nanites vont pas croire, tiens, mon cul, ouais. Chose, chose qui arrive. Oh, regardez-moi ce carnage. Ça suffit. Construisez à rien. Nanite à la con. Je vous ai désactivé l'option. C'est pour ça que je les ai éteintes. J'étais quasiment sûr. Alors, est-ce que j'ai une arme, moi, dans le coin? J'ai pas d'arme. Oh. Le Willy n'a pas de fusil. Oh, ça, c'est trop con, ça. Si, attends. Ah, bah si, j'ai un fusil. Je suis débile. Je dois bien avoir des munitions de fusil quelque part, non? La 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 la. Est-ce qu'il est mort? J'aimerais beaucoup. Mais j'ai des doutes. Fusil, munitions, non. Pas de munitions de fusil à pétoir. J'ai pas. Ça me sert à quoi d'avoir. Ah si, quand même. Un petit peu de munitions. Pour déconner. Voyons voir. Là. Excusez-moi, j'ai un petit peu de ménage à faire. Parce que pour le coup, le vaisseau, je veux pas le déplacer. Il fait noir là-dedans en plus. D'accord. M'en fous, je crois pas. Hello. C'est parce que je compte ma réputation avec les pirates, ce qui n'est pas un mal. En fait, je veux leur voler un vaisseau un jour. Si jamais je mourrai. On évitera d'en construire. Hein. Bratatatatatata, voilà. Flinguer son arme à lui. Ça va prendre du temps, hein, mais je peux le flinguer, je le sais. J'ai toujours été nul à la visée. Donc... Pas grave, je crains pas. Le bouclier est là pour une raison, mon dieu. Ah, enfin! Eh bien que ça mettrait du temps, mais que j'y arriverais. C'est bon, t'as plus d'armes qui peut me casser les reins? Ah si. Je me disais c'est bon, je peux sortir tranquille, mais en fait non. Ce sont les choses qui arrivent. Alors attendez, excusez-moi, on va aller se venger. Hein. Vous savez comment ça se passe. Alors j'ai fait une... J'ai fait un blueprint de longbow, au cas où mes armes laser le flinguent. Non. Je vais faire un carnage, je crois. C'est pas la première fois qu'il me flingue ce truc, hein. Ni la deuxième d'ailleurs. Ouais, vous entendez ça? Ça, ce sont mes propres armes qui flinguent mon propre vaisseau. Parce que sinon, c'est pas drôle, vous pensez bien. Alors, excusez-moi, faut que j'aille quand même récupérer mon cadavre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir par là. Je fais un grand détour s'il le faut. Voilà. Normalement, mon emplacement de cadavre, je crois que c'est celui-là. Je suis pas sûr, mais je crois. Saloperie des rivers, ça la con, hein. Par là, mes armes sont en train de s'en charger. J'ai vu que son bouclier était tombé, donc bon, je suis pas inquiet. Et étant donné que tout à l'heure, je mettrai la projection de du longbow que j'ai pris tout à l'heure, pour le coup, ça devrait plutôt bien se passer. Juste, maintenant, faut que j'arrive à récupérer mon cadavre, ce qui est toujours une grande partie de plaisir. Parfait, ça aura pas été trop difficile finalement. Sauf si j'arrive à me tuer sur mon cadavre, auquel cas là c'est honteux par contre. Ouais, si, c'est bon. Magnifique. Retournons à la baston. Alors pour le coup, en supprimant l'autre cadavre, hein, ça va de soi. GPS, tatatat, emplacement de cadavre, ça dégage. J'en ai plus besoin.
Oh la vache. Le jeu a l'air d'avoir un peu de mal à gérer tout ce qui est armement. Voilà, bah tu vois quand tu veux que t'arrêtes de me casser les reins. Hein? Tu dis plus rien là, saloperie. Je vais quand même éteindre mes armes laser parce que j'ai un petit peu peur que mon vaisseau finisse en ferraille. Bien qu'il ait l'air d'être encore d'attaque ce truc en fait. Pour une raison que j'ignore, il semble vouloir encore se battre. Ok, attendez, je suis idiot, je vais prendre une des armes laser et puis je vais flinguer. Oh, pourquoi j'ai pas fait ça dès le départ? Là, arme laser. Tu t'appelles comment toi? Anti-fighter tourette 25. Attendez. On va s'amuser un petit peu, sinon c'est pas drôle. Parce que là, du coup, là, c'est mes armes laser qui font. Qui flinguent mon propre vaisseau, ce qui est amusant. Enfin, pour les devs sans doute. 25. Contrôle. Parfait. Alors. Toi, tu t'en vas. Merci. Toi, tu t'en vas. Merci. Toi, c'est la même. Tu dégages. Bah, peut-être ça va mettre un petit peu plus de temps, ça, à se détruire. Voilà. Là. Voilà, elle s'était bloquée. Parfait. Je pense que je peux approcher de ce côté-là maintenant. Je pense, hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Je subis un peu un sketch, même si mon bouclier ne flanche pas. Bon, ça, ok, il a rien à branler. Je dirais presque que ça essaye de se défendre, lol. Voilà, des questions? Non, hein, c'est pas ce qui me semblait aussi. Saloperie de merde. Alors, on n'y voit rien là-dedans, lumière. Oh lol, il y a des ingénieurs morts, voyez-vous ça? Ils ont pas encore souffert selon moi. Voilà, merci. Non, ça va, ça c'est de la glace. Pas pourquoi la porte, mais si jamais l'arme laser dit que c'est bien, allons-y. Aïe! Je me suis fait flinguer par ma propre arme. Comment ça m'énerve! C'est pas grave, je peux y accéder maintenant. Lumière, j'ai dit. Mon dieu, on y voit rien. On a rien dans ce pays sans lumière, surtout dans l'espace. Je vous rassure, hein, les nanites sont en train de miner pendant ce temps-là. Hein, je vous rassure. Mon cadavre, s'il vous plaît! Non pas que je l'ai mal pris, que je me sois fait violer, mais un peu quand même. Plus d'armes? Non, j'espère. Sinon je vais encore me faire violer, une autre fois. Parfait, bon, c'est bon. Le vaisseau n'est plus une menace, je peux l'éteindre, je pense. Ah, oh là là, regardez-moi ça. Comme c'est poétique. Alors attendez, tac. Alors que Minani répare les conneries que mes armes ont faites là, parce que ça va pas du tout cette histoire. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Parce que là, je sens que. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que. Mes armes ont fait une légère connerie. Alors. Projecteur. Alors du coup, c'était comment? Moins 2, 3, 7, 180. Ok. Alors, hop. Moins 2, 3, 7, 180. Toujours dessus? Oups. Conserver la projection, magnifique. Moins 2, 3, 7, 180. Bon, nickel, ça gardait toutes les spécifications, c'est super. Voilà, comme ça, là pour le coup, il y a juste 6 armes en bloc que mes armes ont pété et donc que mes nanites vont allègrement réparer maintenant. Que je vais les rallumer. Hop,
Et pour le coup que je vais refaire ça. Voilà. On. Allez, les filles, faites-vous plaisir. Pfff. Les phénix. Ça sortirait presque pas dans ce pays. Hein. Je sais pas où sont les blocs que mes armes ont flingués, mais... Les nanites vont les trouver. Ça, c'est pas un problème, je leur fais confiance. Je vérifie juste que... mes armes... que mes nanites sont bel et bien... Ouais, c'est bon. C'est juste histoire d'être sûr. Ok. Donc les nanites vont réparer tout ça. Je vérifie juste qu'elles n'aient pas fait d'autres conneries parce que tout à l'heure elles étaient en train de construire le longbow alors que pour le coup c'était pas leur but à la base. Donc je vérifie juste qu'elles n'aient pas fait d'autres conneries par-ci par-là, mais je pense pas. J'espère pas en tout cas. Tac tac tac. Tac tac tac. Ah bah tiens. Mais hé hey. Non mais c'est quand même moi qui décide dans ce pays, merde. Les nanites qui font de la dissidence. Ah tiens, bah, tiens, lui il a été viré. Je sais pas pourquoi, mais admettons. C'est bon, il n'y a rien d'autre qui a été construit alors qu'il aurait pas dû. Non, non, j'ai pas l'impression. Non, c'est bon, ça a construit juste ce qui était à proximité immédiate des nanites. Ça me rassure un peu, je dois avouer. Ok, donc on est good. Alors, donc, construisons. Alors pour le coup, j'avais dans l'intention de faire une base. Sur l'astéroïde, sauf que maintenant je trouve ça absurde parce que il faudrait que je connecte le longbow au reste, ce qui est logique. Et donc du coup, vu que je vais pas faire ça, ah bah tiens, regardez-moi ça, oh là là, oh là, oh bah, oh bah, oh. D'accord, il y a des propulseurs qui ont souffert dans ce pays, je comprends pas bien moi. J'ai un bouclier exprès pour que ça souffre pas, mais malgré tout ça souffre quand même, parce que, allons-y gaiement, après tout, il y a que ça de vrai dans la vie. Je vous jure, on est pas aidé. Alors pour le moment, oui, ça c'est comme ça, je ferai... Parce que là, pour le coup, j'ai fait le blueprint du longbow avec tout ça, là. Mais pour le coup, tout ça, ça va être viré. Sachez simplement que ce vaisseau n'a pas de train d'atterrissage. Alors je pourrais le mettre là-dedans, sauf que si je le mets là-dedans, je perds mon antenne. Parce que mon antenne est directement reliée là. Et ça, ça m'emmerde un peu. Donc du coup, j'y réfléchirai ultérieurement pour y mettre des trains d'atterrissage. Mais pour le moment, on fera ça comme ça. Après, peut-être que les trains d'atterrissage, j'en mettrai un là et un de l'autre côté, je sais pas, on verra. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique pour se poser, d'avoir des trains d'atterrissage. Je pense que vous en dites, mais moi je trouve. Donc, du coup, j'avais décidé que... voilà. Hop. Les convoyeurs, est-ce possible d'avoir ça dans ce pays? Merci. Non, alors, je veux des grands, s'il te plaît, c'est possible. Merci. Voilà. Ah ah. Non, vous ne ferez rien. Rien, mesdames les nanites. Que dalle. Je vais mettre ça en rouge, histoire d'être certain de penser à tout déconstruire par la suite. Hop. Voilà, je vais faire une micro-base annexe. De toute façon, ce sera déconstruit, donc je m'en balance, mais... Alors, pour le coup, oui, vous vous rappelez l'incident du vaisseau qui a foutu le coin à Babelwed. Bah, pour le coup, ça a flingué l'intégralité de la base. Donc, j'ai ramassé tout ce que je pouvais, mais vraiment, ça a tout flingué. Donc, c'est un petit peu la baise, si je puis me permettre. Enfin, j'y survivrai. Ou pas, mais ça dépend. Alors, tac, des raffineries. Voilà. Avec les améliorations qui vont bien. C'était quoi? C'est ça, je crois. C'est ça. Alors, donc, il y a module de vitesse, module de rendement, augmente le rendement de production lorsqu'ils sont connectés. Les modules d'alimentation. Bon, en fait, c'est juste les modules de rendement qui m'intéressent. Le reste. Voilà, parfait. Ensuite, un petit assembleur me ferait pas de mal, je pense. Tech. Alors, par contre, je suis pas obligé de faire ça comme ça. Alors, je sais, c'est dégueulasse, mais rassurez-vous, ce sera pas tout le temps comme ça. Connais-tu le jeu Star Citizen? Ah oui, je connais, oui. Je connais, et non, je jouerai pas. Pourquoi? Parce que le jeu, les fans du jeu m'ont dit qu'il était clairement pas stable en ce moment.
Et donc, du coup, j'ai bien assez de Space NG qui est pas stable. Donc, on va pas aller sur un autre jeu qui n'est pas stable à l'heure actuelle. Hop. Et je l'invente pas. Hein. C'est les fans du jeu qui m'ont dit que pour le moment, le jeu, c'était pas la peine d'y aller parce qu'il était clairement. Il était clairement. En PLS. Donc, pour le coup, non, je n'irai pas. Des raffineries, les assembleurs. Mais je pense que c'est. Voilà, c'est celle-là. Pour que ça produise plus vite, en fait. Hop. Voilà. Parfait. Voilà, les nanites construisent, comme vous le voyez, c'est relativement rapide parce que bon, il n'y a pas grand chose à scanner niveau bloc, donc les nanites sont quand même assez assez OP pour ça. Tac, donc du coup les raffineries, voilà, fond. Alors le platine, j'aurais pas dit ça en premier, tu vois, parce que le platine c'est un petit peu ce qu'il y a de plus long à faire. Ouais, j'aurais plus dit l'or en premier. Et même l'uranium, juste avant, tu vois. Tiens, l'or. Oh, vas-y, mets-lui 6 tonnes dans le cul, ça va bien se passer. Parce qu'on va dire que le platine, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus chiant à faire. Hein. Surtout plus long. Donc, on va abandonner l'idée tout de suite, hein, si vous permettez. Voilà. Tac tac tac. Moi ce qui m'intéressait c'était l'or. Oh tiens, j'ai aussi du fer. Le fer on va le faire même avant l'or, vous savez quoi. Bon, le fer ça c'est rapide à faire. Lol. Tac tac tac. C'est bien, c'est bien. J'ai pas mal de minerais. On va se mettre un petit temps ici, mais ça va bien se passer. Voilà. Donc ça pour le coup ça va être fait normalement sous peu. Et j'ai l'air de manquer de plaques d'acier. J'ai bien fait de faire du fer moi. C'est vrai que je manque de plaques d'acier? Attends, attends, c'est bien vrai cette connerie ou... Ouf. Le jeu qui en chie un peu sa race. Mais c'est pas grave. Plaques d'acier, plaques d'acier. Ah oui, putain, j'ai plus de plaques d'acier. Waouh. Oh nom de Dieu, si je m'y attendais à celle-là. Et vu que j'ai plus de plaques d'acier, je peux pas faire l'assembleur. ah non, là c'est des affichages qui me manquent. Les affichages, ça se fait avec quoi? Je sais même pas. Attendez. Les affichages, ça se fait avec quoi? Ici, c'est une excellente question. Oh. Eh oui, forcément. Exotique assembleur? Quoi? J'ai pas demandé un assembleur exotique, qu'est-ce que tu me mets, toi? Ah bah si, de Dieu. Je peux me faire un assembleur exotique, moi? Ah bon, bah je. Oui, très bien, d'accord. Il faut juste des affichages. Bonjour. Je crois que vous allez pouvoir me servir aujourd'hui. Les affichages. Il y a moyen d'avoir ça dans ton coin. Vite par balle, gna 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 gna. Non, visiblement pour d'affichage dans ce pays. Affichage, 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 j'ai pas l'impression. Hop, les nanites vont bien ramasser tout ça, hein, rassurez-vous. Je ne jette pas tout ça sans raison. Des affichages. Alors attendez, va falloir que je. Va falloir que je gruge un peu ce vaisseau à la con là. Des affichages. Ah, tiens, il y avait des affichages, sauf que les trucs étant morts. Il n'y a plus d'affichage maintenant. Pas d'affichage. Ah, affichage. Voilà, parfait. Donc là, j'ai un affichage. Wouhou! Elle est loin avec ça. Pas d'affichage là-dedans. Là-dedans, pas besoin d'affichage. Là-dedans non plus. Là-dedans non plus, putain, décidément. Là-dedans, affichage. Non, pas affichage ici. L'affichage, c'est tout ce qui a un écran, je crois. Oh, il y a des bombes là. Peut-être pas trop s'en approcher de ça. Sinon, je sens que je vais encore être bon pour aller rechercher mon truc. Pas d'affichage. Ah. Si c'est une jonction de convoyeur, donc pas d'affichage. Faut que je trouve un machin avec des affichages, peut-être. Affichage là-dedans, non. Trop cool. Affichage là-dedans, non. Trop cool. Pas d'affichage dans ce pays. Putain, mais c'est pour vrai ça. Faut que je fasse gaffe, parce qu'il peut quand même y rester des armes sur ce truc. Hein. Affichage là-dedans. Bon, non, bien sûr que non. Pour s'embêter à mettre des trucs là-dedans, tiens.
T'as oublié de faire un clean de la map. Oui, mais justement, si j'avais fait un clean de la map, j'aurais pas pu flinguer ce vaisseau, tu comprends bien. Pas de truc là-dedans. Ah, non, attendez, le générateur de gravité, peut-être il est en flamme, mais qui sait. Pas d'affichage dans ce truc. Oh! Les ingénieurs morts, il y a des affichages. Magnifique. Fallait le dire tout de suite. Ils sont où les cadavres? Je cherche des cadavres, excusez-moi. J'en ai flingué deux tout à l'heure avec mon arme. Ce qui est un peu idiot de ma part, je vais être sincère, mais je. Ah! Affichage? Affichage, mes couilles. Putain, pour l'affichage dans ce pays. Mais putain, je veux me faire une base et. Ah! Oh non! Il n'y a plus du tout d'affichage là-dedans! Ah! Bon, bah, je récupère quand même. Il semblerait qu'il y avait un prisonnier là-dedans. Pas d'affichage, putain, fait chier que. Le cockpit a été flingué, le seul truc qui aura pu me filer les affichages nécessaires, quoi. Un peu salé. Moi, je veux me faire une base et commencer à raffiner mes minerais. Bon, le raffinerai des minages. Le raffinage des minages. Des minerais, putain, j'ai du mal. Le raffinage des minerais, disais-je, est déjà en cours. Donc, bon, je peux m'amuser à regarder un petit peu ce qui se passe aux alentours, mais quand même. Les affichages là-dedans? Je me souviens pas. Eh, non, pas l'affichage, non, tu vois, mais sauf mes couilles. C'est quoi ça? Ah, Spirit. Eh, ta gueule! M'en fous, toi, ton inventaire est fou. Casse-toi. Affichage, vitre pare-balles. Ils sont où les affichages? Je suis sûr, je les ai récupérés. Je me dis pour que je les ai pas récupérés, j'ai pas été assez con pour ça quand même. Ah, affichage là, 3. Super, elle est loin avec ça. Il m'en faut 10! En faut 10 pour faire l'exotique assembleur. Je sais pas ce qu'il fait alors. Hello you! Affichage? Pas affichage. Bon. J'ai pas l'intention de les grinder ces trucs-là. Je sais que ça peut me péter en pleine gueule. Affichage? Non, pas d'affichage. Pas d'affichage dans ce pays. Pas de putain, mais il y a des affichages nulle part! Bon, sinon je vais aller grinder mon propre vaisseau, c'est pas bien grave. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait dès le départ d'ailleurs. Bonjour! Alors, mon vaisseau, comment t'expliquer? Il me faut des affichages, mais il semblerait que j'ai un peu de mal à en trouver. Donc, étant donné que toi, t'en as 6, c'est ça, hein? Et que tu me sers pas, tu viens là, merci. Toi, t'as des affichages? Oui, mais toi, tu me sers. Donc, Mesef. Voilà! Pour le moment, mon vaisseau, je peux plus conduire, rassurez-vous, c'est temporaire. Je vous jure, ce qu'il faut pas faire. Affichage, affichage, affichage. Non, non, les nanites. Enfin, si vous pouvez ramasser si vous voulez, je m'en balance, c'est vous qui le ferez, c'est tout. Voilà, parfait. Affichage, affichage. Ça suffira pas, je crois qu'il va m'en manquer un. Quelle horreur. Oula. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu peux me faire? Faut pas me dire que tu peux me faire que ça quand même. D'accord, j'ai perdu tout ce temps pour rien. Trop cool. Trop cool. Non, vraiment. Je vous jure. C'est pas grave, je savais pas ce que ça faisait, donc maintenant je le sais. Assembleur. Sûr, c'est juste ça, hein. Exotique assembleur, j'en veux pas de ça. Et pas tracique gazifieur, je sais même pas ce que c'est. Assembleur, juste celui de base, c'est possible de l'avoir ou est-ce qu'il faut que je te paye? Voilà, parfait. Alors, on va se prendre des modules. Hop, alors c'est module. Module de rendement.
mais je... Ah putain. Merci. Pff, compliqué la vie. Hein. Quatrième, voilà, parfait. C'est bon? Pas deux? Non, bon, pas deux, tant pis. Voilà quoi. Alors, affichage. Fais bon, non, t'es pas mille, pas déconner. Vraiment, voilà, une bonne... voilà, tout ce qu'il faut, hein. Ah. Très bien. Alors, c'est bon maintenant, mes sièges vont pouvoir être faits, tout ça? Parce que bon, moi, je commence un peu à me... Hein. Mes sièges sont déjà refaits, sublime. Tous mes trucs sont là. Sauf... pour une caméra, moi. Il me semble bien que si, hein. Voilà, je veux afficher la vue. J'avais mis quoi ici? Je sais même plus. Bon, bah, je sais plus, tant pis. Ici j'ai ça. Ici j'ai ça, ici j'ai ça. Bon, au moins ça, ça va pas sauter. Alors, je sais plus ce que j'avais en 3 et en 4. Mais ce sont les choses qui arrivent. Les nanites ont-elles fini de miner? Tac. Les drills. Visiblement, oui, elles ont tout fini. Parfait. Alors, faut que j'aille voir maintenant ce qu'il y a, parce qu'en fait, vous vous rappelez que Space NG est un jeu un peu mal branlé. Space NG est un jeu légèrement mal foutu, et comment dire, les minerais continuent à apparaître, même quand ils ont plus lieu d'apparaître, en fait. Ce qui est un peu con. Bon, là, ici, pour le coup, ce sera derrière. Ok. Parce que là, pour le coup, bon, j'en profitais pour tout ramasser, hein, tant qu'on y est. C'est pas souvent qu'on trouve des mines tout au même endroit. Donc, on va en profiter. Hein. C'est mon vaisseau qui trempe. Non, mais c'est mon vaisseau qui trempe parce que les drills sont en action. Si jamais je désactive les drills. Plus de vaisseau qui tremble. Aussi bête que ça. Alors. Voilà. Et en fait, je vais miner l'intégralité de l'astéroïde comme ça, je peux me faire chier. Vous savez, des fois, hein, pourquoi s'emmerder quand on peut s'en passer? Totalement ce que je pense. Voilà. Comme ça, les drills vont continuer à miner. Du coup, tac tac tac, c'est bon, tout ça, ça se fait. Alors, ça va mettre un certain temps, hein, tout ça sera fini. Ça ne va pas se faire comme ça, ça je vous le dis. Tac tac tac. Alors, un anneau de contrôle facility, ouais, vas-y. Ah non, merde, les nades sont pleines. Quoique non, même pas. Ah, excusez-moi. Ah, bah, ce sera plus rapide comme ça. Voilà, parfait. Tac, tac, tac. Donc, le grand conteneur 46, donc là-dedans, j'ai ça. J'ai du cobalt, j'ai de l'uranium, j'ai du nickel, j'ai du fer. Le fer, oui. On va le faire en priorité, le fer. Quoi qu'on en dise, le fer, ça peut être utile. Excusez-moi, je vais essayer de tout regrouper dans un. Voilà. Alors, nickel. Il n'y en a pas dans ce conteneur, donc on va le mettre. Platine. J'ai 271 tonnes. Silicone. Bon, ça, je suis en train de commencer à le miner, donc c'est normal que j'ai rien. Hop. Tac. Mais il est plein en fait. Ah bah oui, mais c'est pour ça en fait, il est plein, je suis vraiment trop con. Bon, c'est pas grave, chose qui arrive. Bon, et bah pour le coup, ça va être un peu long à faire, mais je. J'ai dans l'espoir que ça peut se faire. Et là, tout ce qui me manque, c'est des plaques d'acier. Heureusement, je fais du fer pour cette éventualité. Voilà, 6000 plaques d'acier, ça devrait aller là, non? Je vais tout pomper sur les nanites, parce que vu que les nanites là elles font pas grand chose. Elles vont mettre un certain temps à venir en plus, donc ou pas, je viens de les entendre. Aïe. Ma santé est faible, bah tiens, voyez-vous ça. Ah bah non. Ah non, c'est bon, les nanites ont pas du tout besoin de moi. Hein, je...
Ah, peut-être pour quelques petits trucs, mais bon, ça va. Tac, tac, tac. Parfait. On est bon. Ouh, ça aurait été compliqué, mais ce sera géré. Tac, tac, et tac. Donc voilà, donc vous savez comment c'est, hein, ça va mettre un certain temps à se raffiner. Et je pense que je vais pas vous imposer ça en épisode. Donc, très chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Je vous dis pour le coup à très bientôt pour un nouvel épisode. On ira certainement continuer à défoncer de saloperies. Mais pour le coup, bon, bah, on n'activera pas nos armes, hein, vous avez vu ce que ça fait. C'est assez foireux quand on y pense, donc bon, bah, je... Il est obligé de faire ça sans, hein, vous voulez que je vous dise. À un moment, voilà quoi. Ouais, c'est bon. Excusez-moi, je vérifie bien quand même que... Ouais, c'est bien. C'est bon, tout fonctionne. Bon, très chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Je vous dis pour le coup à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine.